Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Losani pour les zéros. Si t'es pas abonné, c'est pas t'abonner en cliquant juste ici. Et aujourd'hui je suis à Melbourne pour cette troisième journée en compagnie de Stéphanie. Bonjour. Alors ça fait longtemps que t'es à Melbourne? Oui, ça fait 6 ans que je suis à Melbourne. Et du coup bah t'as nationalité australienne? Oui, je suis citoyenne australienne. Bah du coup ça va être encore mieux. C'est génial. Visite avec une australienne, ça c'est la classe. Et aujourd'hui on va visiter quoi du coup? Donc aujourd'hui on va visiter le Parlement. Et ça c'est le building où les gens se marient, et juste derrière c'est les jardins où les gens en fait font les photos de mariage. D'accord. Et c'est des jardins très très sympas. Bon, ça va être sympa. Allez, on y va. Et donc le climat à Melbourne, c'est l'idéal? Alors, c'est le climat parfait. Ouais. Il y a l'hiver et l'été, mais l'hiver c'est un hiver très doux. D'accord. Donc c'est minimum 5 degrés et maximum 15 degrés. Entre 5 et 15 degrés par jour. Et on dit souvent que Melbourne, c'est la ville la plus agréable à vivre au monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, au niveau des activités, on a tout. On a le tennis, on a le Grand Prix de Formule 1, et on a des festivals tous les jours. Et toutes les semaines, il y a quelque chose de différent à faire. Je pense que c'est vraiment la meilleure ville au monde. Bah, j'ai l'impression que c'est pas mal, en tout cas. C'est pas mal, et au niveau travail, c'est comme à Sydney, on a beaucoup d'opportunités. Il y a du travail, hein. Il y a beaucoup de travail. Au niveau climat, il ne fait jamais trop chaud, jamais trop froid. Donc c'est vraiment la ville idéale pour vivre. Excellent. Au niveau de la sécurité aussi, on peut se balader le soir, on n'a aucun souci. Là, on est dans le parc qui s'appelle Fitzroy Gardens. Donc ça appartient toujours au Parlement. Avec le Botanique, ça fait partie des deux gros parcs à Melbourne. Oui, c'est ça. C'est le deuxième grand parc après Botanique et Albert Park. D'accord. Albert Park est le troisième. Il y a des activités gratuites que tu conseilles aux gens? Oui, c'est ça. Donc ici, il y a deux semaines, il y avait un festival. C'était un festival musical, il y avait de la danse aussi. Et tout le monde est venu en fait pour pique-niquer. Mm-hmm. Donc on avait amené du pique-nique et c'était vraiment toute l'après-midi en fait. Excellent. De 2h à 7h du soir. Par exemple, moi hier, je suis tombé sur, comme vous pouvez voir dans la dernière vidéo, j'ai fait du jumbé dans la rue devant, sur la place centrale. J'ai appris du jumbé gratuitement. Et le petit resto dans le parc, c'est la classe. Du coup, le week-end, qu'est-ce qu'il y a à faire comme activité sympa? Alors, le week-end, il y a plein d'activités. Tu peux aller à la plage, puisqu'on a des plages tout autour de Melbourne. Saint Kilda, Brighton. Et de l'autre côté, il y a Altona, il y a Torquay pour les fans de surf. Donc ça, c'est pour la plage. Tu peux faire des randonnées à Wilson Promontory, aux Grampians. Ouais. Tu peux skier aussi même apparemment. Tu peux skier, oui. Alors skif, c'est à 3h à peu près d'ici. Oui. Et pas tout le temps, pas en été, mais la plupart du temps, la part de l'année, le reste du temps, entre automne, hiver et printemps, tu peux aller skier. C'est énorme. Donc t'as tout en fait à Melbourne. T'as tout. C'est... Et on gagne bien sa vie. Et on gagne, oui, on gagne super bien sa vie. C'est ce qu'on disait, c'est que ici en moyenne, les gens vont gagner 75 000 à 80 000. 10 000 dollars par an. Voilà, toi, ça fait vraiment 5-6 ans que tu es là et du coup, ouais. Bah, tu gagnes beaucoup mieux ta vie que. Bah, en plus, on vient du même quartier dans Paris. Ouais. Tu gagnes mieux ta vie que concrètement. Je gagne un peu plus qu'en France. Ouais. La vie est plus chère aussi. Mais t'es gagnante. Mais je trouve qu'on est gagnant. Un bon plan en McDo. 50 centimes la glace. $2 pour la boisson. Ah, c'est cher. 50 centimes la glace, c'est vraiment un bon plan en McDo. Donc là, on n'arrive pas très loin de Brunswick, à l'est de Melbourne. Donc, c'est les quartiers plutôt populaires, riches. Ah non, c'est les quartiers riches et branchés. Quartier riche et branché. Ouais. D'accord. Et l'avantage à Melbourne, on peut voyager gratuitement parce qu'il y a les trams gratuits, c'est ça? Il y a la free tram zone. Ça, c'est excellent, comme vous avez pu voir dans la première vidéo quand j'avais pris le premier tram. Allez, on continue la visite à Brunswick, quartier plutôt branché du coup. Ouais. On y a vraiment tous les trucs. Moi, ce qui m'a marqué à Melbourne, c'est les trams. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça en fait. Il n'y a pas vraiment de bus ou de métro, non? Si, si, il y a un bus et il y a un métro. Mais comme on est en centre-ville, en fait, on a beaucoup de trams. Beaucoup de trams. Là, on a un tram. Les trams à Melbourne, ils fonctionnent toute la journée, toute la nuit? Comment ça marche? Toute la journée. Pas toute la nuit, ça s'arrête à 1h du matin à peu près. D'accord. Et là, par exemple, ce week-end, ça va être la... Night, la white night, la nuit blanche. Ah, et déjà ça va être toute la nuit. D'accord. Ah, mais... Bon, Melbourne, c'est pour, je vais te dire, si j'avais un avis à te donner, Melbourne c'est une ville, voilà, c'est bien pour faire la fête, pour les gens qui sont curieux de culture. Ouais. J'ai l'impression que par rapport à Sydney, ça bouge encore plus. Parce que déjà, il n'y a pas le lockout. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à Sydney, après 3h du matin, il n'y a rien. C'est ça. Voilà, après 3h du matin, concrètement, le vrai problème, c'est qu'ils ferment les bars. Ici, jusqu'à 6-7h du matin, ça peut vivre. Ça arrive aussi ici,
after party. Et comme dans la première vidéo, les graffitis en fait, c'est magnifique. Donc sur Smith Street à Brunswick, vous avez des graffitis. Voilà, on arrive au quartier Brunswick, comme le quartier. C'est un quartier très hippie où tu as plein de petites boutiques. Pour les hippies, plein de restos un petit peu cachés, un peu tendance. C'est à faire quoi. C'est à faire. Et très connu pour les végétariens et les vegans. Si vous êtes vegan, vous avez compris. Brunswick Street. Le gros point fort de Melbourne, c'est que c'est très multiculturel. Oui, c'est très multiculturel. Il y a beaucoup de Grecs, beaucoup d'Italiens. Oui. Beaucoup de gens du Middle East aussi qui viennent ici. Ouais. Donc du coup, tu rencontres des gens du monde entier, tu n'as pas besoin de voyager. Quoi. Exactement. Beaucoup de Sud-Américains aussi. D'accord. Ouais. Beaucoup de Colombiens et de Brésiliens. Donc là, direction, on va où? Donc là, on va dans un bar qui s'appelle Naked for Satan. D'accord. Nu pour Satan. C'est quoi le concept? Alors le concept, c'est un tapas, un bar tapas, et tu payes entre 1, 2 ou 3 dollars par tapas. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'au-dessus, il y a un rooftop qui s'appelle Naked in the Sky. C'est nu dans le ciel. Et tu as une vue en fait panoramique sur la ville, sur le centre-ville. Je vous mettrai l'adresse directement dans la description, dans la vidéo. Naked for Satan. Naked for Satan. C'est sympa l'endroit. C'est pas le bar. Et voilà les amis, la visite de Melbourne avec Stéphanie est terminée. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Et moi je vous envoie très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à tous de me suivre. Allez, salut les amis, à bientôt.